Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, un petit vidéo journal intime de Caro, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors aujourd'hui, sujet du jour, le monde intérieur. Le monde spirituel intérieur. J'avais envie de vous amener aujourd'hui un exemple de... tu sais, parfois on s'attache à des idéaux. On s'attache à des idéaux comme « Ah, oh, quand je vais être rendu là dans ma vie » ou « Quand je vais être rendu comme ça » ou « Quand je vais être... » rendu à telle place dans ma vie, je vais être... Là, je vais être heureuse. Là, je vais être bien. Là, je vais me sentir accomplie. Là, je vais être... Puis, tu sais, ça m'arrive des fois en tant que personne qui est ici dans cette vie-là pour vous amener à vous connecter à votre monde intérieur, à vous amener à cette connexion-là, à votre spiritualité. Puis, tu sais, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment juste la connexion à notre monde intérieur. Puis, pourquoi, tu sais, c'est redondant? Puis, pourquoi j'en parle tout le temps? Puis, pourquoi moi, c'est une des choses qui a le plus d'importance dans ma vie. Pourquoi j'ai un cil dans l'œil pendant que je vous parle? Bon, ça s'en vient. Bon. Fait que pourquoi c'est une des choses qui, pour moi, est le plus important? Puis aujourd'hui, j'ai un exemple concret à vous donner. Okay. Aujourd'hui, je suis dans ce qu'on appelle, je vais vous montrer, ça peut s'appeler un paradis parce que je trouve que la maison qu'on est en ce moment, c'est ce que j'ai toujours rêvé. C'est ce que mon chum a toujours rêvé. On est dans un endroit où est-ce que on l'a vu, on l'a visualisé pendant tellement de temps, puis même encore, c'est même pas aussi beau dans nos visualisations. Puis des fois, on y croyait même pas qu'on allait se rendre là. Tout ça pour dire que j'ai beau être dans ce paradis-là, si à l'intérieur de moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui me gosse, puis qui me fait pas sentir bien émotionnellement, ou qui me fait pas sentir bien dans ma tête, bien, je le vois plus, ce paradis-là, qui est en moi puis qui est autour de moi, parce que cette émotion-là ou cet état d'esprit-là va prendre toute la place. Fait que c'est de là l'importance de prendre soin de son monde intérieur. Puis j'en vois de plein de monde sur les réseaux sociaux, puis tu sais, il y a plein de phrases, plein de mots, plein de... Mais c'est pas juste une citation qui va t'aider, tu sais, c'est vraiment de te commettre à faire ce travail intérieur-là, à trouver des outils quand ça arrive, pas essayer de l'éviter, à l'accueillir. Exemple, aujourd'hui, il y a une situation qui m'a mis à l'envers émotionnellement et mentalement. Oui, je suis dans la première journée de ma période menstruelle. Ça fait que mes émotions, des fois, elles se gèrent un peu moins bien. Est-ce que c'est une excuse? Non. C'est juste parce que pendant cette phase-là, dans mon mois, je suis beaucoup plus connectée justement à ce qui se passe en dedans, puis je suis plus sensible, puis c'est correct. Est-ce que c'est une excuse? Non. Mais est-ce que c'est la réalité puis il faut que je me l'avoue? Ben oui. Puis est-ce que les gens autour de moi ont à subir ça? Ben non, parce que je suis responsable de... Mais par exemple, je peux leur exprimer ou je peux prendre en responsabilité le fait que je me connais. Donc, je peux leur dire, hey, je réagis plus fortement parce que j'ai un petit peu plus de misère en ce moment à manager ce qui se passe en dedans. Mais je me gère, t'inquiète pas. Mais merci de m'accueillir comme ça. Fait que c'est comme, c'est de mettre des mots premièrement. De mettre des mots pour soi, mais de mettre des mots aussi pour les autres si on habite avec d'autres personnes ou s'il y a d'autres personnes qui nous entourent pendant une période émotionnellement ou mentalement ou bref, intérieurement un petit peu plus difficile, déstabilisante, peut-être challengeante. Ça peut être des émotions positives aussi qui nous challenge. Des fois, on n'est pas habitué d'avoir autant d'amour, on n'est pas habitué d'avoir autant de joie, on n'est pas habitué. Bref, peu importe la situation dans laquelle tu es, je trouve que... avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup comme de recettes toutes faites. C'est comme, ah, tu sais, il t'arrive ça ou tu te sens comme ça, mais c'est normal parce que blablabla, bla, 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 mais fais ça puis ça va passer. Puis c'est comme, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'expérimenter puis de trouver ses propres outils à soi puis qu'est-ce qui fonctionne pour soi-même. Puis tu sais, des fois, d'accepter de faire comme, mais regarde, même si là, j'essaie d'avoir mes outils puis de les utiliser, c'est difficile, j'ai atteint ma limite, j'ai peut-être réagi de telle façon, puis c'est comme... C'est de le reconnaître, puis c'est de se ramener. Fait que peut-être d'utiliser les outils pour se ramener, même si la limite est déjà un peu dépassée, puis de s'aimer quand même là-dedans, puis de s'accepter quand même là-dedans, puis de ne pas se diminuer à cause de ça. Donc, je trouve ça important d'en parler, puis de le normaliser. Je suis le genre de personne vraiment sensible aux autres, vraiment sensible à moi-même, vraiment sensible à... Tu sais, je veux pas déplaire. Je veux toujours que les autres soient bien. Puis j'essaie toujours d'être comme correct envers les autres.
d'être compréhensive, puis d'être oh, ok, c'est correct, puis tu sais, puis essayer de, des fois, parfois même, ça fait que je diminue ce que je vis intérieurement, puis j'essaie de faire comme oh non, t'inquiète pas, c'est correct, parce que je veux tellement, mettons, que les autres personnes se sentent bien. Mais il faut que je me l'avoue à moi-même que, comme, tu sais quoi, c'est. Je me sens pas bien avec telle situation. Ou ça me fait réagir comme ça. Puis, je pense que des fois, même les gens, peut-être, qui trouvent ça gossant. Parce que je pense qu'on est dans un ère où est-ce qu'on en parle de plus en plus, où est-ce que ça devient de plus en plus normal. Parce que justement, il y a des super beaux posts que je vois passer, entre autres sur Instagram, qui normalisent, mettons, c'est quoi vivre l'anxiété, c'est quoi vivre une dépression, c'est quoi vivre. Un sentiment d'avoir besoin de contrôle, c'est quoi? C'est normal d'avoir vécu peut-être avec un traumatisme étant jeune, puis ça nous fait vivre certaines choses. Fait, c'est toutes des choses que je trouve ça tellement beau de normaliser. Mais à partir du moment où c'est normalisé, il ne faut pas que ça devienne une excuse. Il faut que ça devienne quelque chose qu'on accueille à l'intérieur de soi, puis qu'on soit capable aussi d'exprimer, non pas pour que les autres sentent qu'ils sont obligés de l'accepter, puisqu'ils ne sont pas obligés de l'accepter, que nous, on l'assume. Ils ne sont pas obligés de l'accepter aussi. T'sais, on n'est pas obligé de faire ça. Excuse-moi, moi, je fais mon travail intérieur, je m'assume, fait qu'il faut que tu prennes le temps de m'écouter. T'sais, peut-être ça peut devenir lourd aussi pour des personnes qui ne sont pas prêtes. Mais c'est toujours, je trouve, envers soi-même de s'observer puis de se l'avouer. Par exemple, quand je suis dans une situation que je me diminue moi-même de par le fait que, ah, oh, mettons, j'ai peur que cette personne-là soit dérangée par le fait que ils sentent que je me sens moins bien, ou j'ai réagi parce que telle affaire, j'ai pas à dire comme, ah, oh, je m'excuse, c'est vrai, t'as raison, puis comme, j'ai pas à me dire, j'ai pas à vivre ça, ou j'ai pas à me sentir comme ça. Il faut qu'en dedans de moi, je me dise, c'est correct que tu te sentes comme ça. On va aller voir pourquoi tu te sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que ça te fait sentir comme ça? Puis faire le travail, écrire dans mon journal, ou prendre juste un moment avec moi-même pour fermer mes yeux, respirer, puis observer, c'est quoi qui monte? Qu'est-ce que j'essaie de me dire en ce moment? Mais je ne suis pas obligée d'embarquer l'autre là-dedans aussi, tu sais. Fait que l'honnêteté envers soi-même, la responsabilité, puis d'utiliser les outils qui nous conviennent à nous. Parce qu'il y a des... Parfois, j'essaie d'utiliser certains outils, puis je suis comme, ah, celle-là, non, pff, je m'en fous, c'est pas moi, ça, c'est... J'aime pas ça faire ça. Ça m'aide pas vraiment, ça m'aide pas concrètement, tu sais. Fait que... C'est ça. C'est ça ma confession journal intime de Caro aujourd'hui, c'est... Notre spiritualité, notre connexion à la spiritualité, notre connexion à notre monde intérieur, c'est d'abord et avant tout de s'accepter soi-même. Puis je pense que faut pas attendre non plus que les autres nous acceptent pour s'accepter soi-même. Puis faut pas non plus essayer de se justifier aux autres. Faut juste, c'est juste soi-même envers soi-même. Puis c'est vraiment important. C'est vraiment plus important qu'on pense. Puis c'est pas gossant, puis c'est pas lourd, puis c'est pas... Vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de prendre tout le temps de le faire. Des fois même, vous avez le droit de dire aux gens qui vous entourent, j'ai besoin d'un espace en ce moment pour moi-même, puis je vais revenir plus tard. Je trouve que c'est des choses importantes qu'on n'apprend pas assez, qu'on n'entend pas assez. C'est ça, cultiver sa connexion à soi-même. C'est ça, se lever pour soi-même. Puis c'est pas le faire... en l'affirmant devant tout le monde, ou en justifiant, ou en arrêtant le monde de tourner, parce que nous, on vit une émotion, puis que là, oh mon Dieu, il faut qu'on le dise, c'est comme juste de moi à moi, tu sais, de toi à toi, tu sais. Puis à chaque fois que je vis des choses comme ça, ça me rappelle à quel point, dans le fond, mon travail, ben c'est pour ça que je le fais. Ben moi, le yoga, c'est l'outil qui m'aide à me sentir mieux, qui me ramène à moi, qui me ramène dans l'instant, qui me ramène à mes sensations, qui libère des choses, qui m'aide à prendre le temps, à me donner cet espace-là avec moi-même. Puis souvent, ça m'arrive, comme cette semaine, on a eu tellement d'affaires à faire, puis des fois, je boude ma routine de posture, puis je boude... le fait de prendre du temps pour moi le matin, je me rends compte que c'est quelque chose qui est important. C'est sain de donner du temps chaque jour. Pas par obligation, parce que c'est comme prendre sa douche ou brosser ses dents. C'est supposé de faire partie de notre routine comme ça. Prendre un moment avec soi-même, puis
s'écouter, se parler, j'en suis où, comment je me sens aujourd'hui dans mon corps, comment je me sens aujourd'hui dans mon émotif, comment je me sens aujourd'hui dans ma tête. On ne serait pas supposé de le faire juste quand ça ne va pas bien. On ne serait pas supposé de le faire juste quand on sent à la limite d'exploser. On serait supposé le cultiver un petit peu à chaque jour. Puis, je pense que c'est pour ça que je m'enligne de plus en plus envers le fait de vous partager des courtes capsules de 15-20 minutes, de 10 minutes sur la plateforme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, c'était des cours d'une heure, puis après ça, 45 minutes, puis après ça, une demi-heure. Puis, c'est pas pour rien. Je trouve que la vie va vite en ce moment. Puis, tu sais, la tradition, c'est la tradition. Puis, ça va toujours rester la base, la racine. Ça va toujours être un référent. Mais je trouve que dans l'ère qu'on est rendu aujourd'hui, c'est important de cultiver un petit peu à chaque jour, mais aussi de se rendre compte que la vie va énormément plus vite, qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont rapidement. Les informations, il y en a tellement dans une journée qu'on reçoit, qu'on ressent, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'un yogi qui était assis sur sa colline en pleine nature, qui n'avait pas tant de distractions. Nous, on est comme over-stimulé. Fait que je trouve que, tu sais, un 15 minutes, c'est un minimum à s'offrir à chaque jour. Est-ce que... on est obligé de se mettre cette pression-là, de le faire à chaque jour, dès le commencement de cette... mise en place de cette nouvelle routine, mettons? Non. Mais ça peut être un bel objectif, à moyen-long terme. C'est pour ça, d'ailleurs, que le programme qui s'en vient sur la plateforme en ce moment s'appelle Constantia, parce que, premièrement, je trouve que c'est d'abord et avant tout de s'amener une constance envers soi-même. Fait que peut-être que la constance au début, c'est pas d'être à chaque jour, c'est d'être 4 fois par semaine, peut-être. Tu sais, quelqu'un qui a jamais fait ça, prendre le temps pour lui. Peut-être que toi, tu m'écoutes, puis que, dans le fond, tu prends du temps pour toi juste quand t'en es atteint ta limite à un point que t'es en larmes, puis que tu sais plus ce qui se passe, puis que là, il a fallu que tu te pognes avec quelqu'un, ou que t'aies une situation qui fasse comme, oh mon Dieu, je pense que j'ai besoin de temps pour moi. Ça se peut. Mais c'est important aussi que les journées qu'on va bien, on passe ce temps-là avec nous, puis on se sent bien, puis on s'encourage. Tu sais, je vois ça vraiment comme quelque chose à l'intérieur de nous, comme parent-enfant, tu sais. La journée où est-ce que notre enfant intérieur va bien, mais le parent intérieur qu'on est doit quand même se reconnaître, faire comme, hey, c'est cool, je suis fière de toi aujourd'hui, je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, yes! Mais c'est important aussi d'être là dans les moments comme, ouais, aujourd'hui c'est plus dur émotionnellement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en lumière? Qu'est-ce qu'on pourrait guérir? Ou qu'est-ce qu'on pourrait juste accueillir? Sans nécessairement chercher à transformer quelque chose en tout de suite, pouf, oh mon Dieu, là, je suis conscient, il faut que ça se transforme. Mais non, juste prendre le temps. Écouter comme un parent aimant, sans jugement. Et ça, ça prend du temps. Ça prend un processus. Puis je pense que 15 minutes par jour, ou 2 heures par jour, il n'y a pas tant que ça de différence maintenant, de mon expérience. Ça peut être différent pour chaque personne. Mais moi, je trouve que c'est ce que je veux partager parce que c'est ce qui, moi, me fait du bien. Tu sais, moi, j'aime ça, faire plein de choses, puis être partout, puis avoir plein de projets. Puis c'est sûr que si je me dis, hey, il faut que je prenne 1 heure par jour pour le faire, c'est sûr que je ne le ferai pas parce que ça va avoir l'air trop long. Puis comment je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais si c'est 15 minutes, hey, ça se prend bien 15 minutes, là. 15 minutes, ça peut se mettre entre 2 choses. Ça peut se mettre le matin, puis même que je peux décider de me mettre un autre 15 minutes le soir. Puis, comprenez? Fait que, c'est important de le faire. Fait que, faites-le. Je vous encourage à le faire. J'espère que ça va vous inspirer mon exemple. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, ça peut switcher vite une émotion. Ça peut switcher vite un état d'esprit. Puis, des fois, c'est juste de se rappeler qu'est-ce qui nous fait du bien dans l'instant présent, tu sais. Comme moi, ce qui me faisait du bien, quand j'ai eu ce breakdown-là, puis que j'étais émotive, puis j'étais comme, oh, là, je vais essayer de contrôler mon environnement, parce que là, je veux une émotion, puis là, je veux pas la vivre, fait que je vais essayer de contrôler l'extérieur, puis là, je me suis observée, puis j'étais comme, oh, tata. Je peux être maître de mon intérieur en ce moment, qu'est-ce qui me ferait du bien? Bon, je me sens pris, je me sens fatiguée, qu'est-ce que j'aime? J'aime ça prendre une douche. Bon, je vais prendre une douche. J'ai envie de me sentir accompli. Qu'est-ce qui me ferait sentir accompli aujourd'hui?
faire le ménage dans un appartement, puis voir que c'est encore plus beau pour la prochaine personne qui va venir habiter ici. Good, on va faire ça tranquillement, sans rusher, une chose à la fois. Fait que faites ce processus-là avec vous-même, accueillez-vous, faites ça. Faites ça. Puis si ça vous tente, là, je vais comme faire une petite promo en même temps, tant qu'à faire une vidéo, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas plugé sur à YouTube. Ben, je vous invite à vous abonner à la plateforme. Je vais mettre les liens en description. J'ai collaboré avec certains profs de yoga. Et puis, entre autres, Alice. C'est une personne qui habite au Québec aussi. Puis, elle m'aide maintenant à faire des collaborations. Donc, les prochains programmes, au lieu que ce soit juste comme 4, 6 ou 8 cours, ça va être 16 cours de 15 minutes. Donc, on vous prépare ça une fois par mois pour l'instant, pour les mois de l'été. Alors, pour juin, juillet et août, c'est comme évolutif. Et puis, ça va être vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Il va toujours avoir le lien de la thématique, du e-book, du côté plus introspectif, de l'horaire qui vous est proposé. Si vous voulez le faire, soit 3-4 fois par semaine ou à tous les jours, vous allez avoir toujours les deux options, comme d'habitude, mais comme version toujours un petit peu plus améliorée, parce que c'est comme si je m'observe toujours un peu plus sur ce qui me fait du bien, puis comment que moi je vis ça, le yoga, dans ma vie. Puis après ça, je me dis, OK, c'est quoi vos besoins? Puis je pense qu'à chaque fois, c'est toujours comme en optimisant, selon mon expérience, ce que je crois qui est le mieux pour nous tous. Puis c'est ça. Fait que ben, je vous invite à aller voir les détails. C'est quelque chose qui me tient à cœur en ce moment de partager. Puis en ce moment, pour encore quelques jours, vous allez avoir l'abonnement annuel qui est en promotion à 40% de rabais, donc ça revient même pas à 100$. Je pense que... Ouais. Fait que allez voir ça. Puis, ben merci de m'avoir écouté. Puis je suis vraiment curieuse. Tu sais, je trouve que, tu sais, oui, je vous parle comme ça de mon expérience, puis je me confie. Mais j'aime toujours ça, voir vos rebonds aussi, comment ça se passe. Comment ça se passe, vous, dans vos périodes? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez plus sensible, plus émotive? Puis qu'est-ce que vous faites, même si c'est pas dans vos périodes, qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive, dans vos périodes un peu plus émotives? Ou juste, ça vous arrive une fois de temps en temps? Ou est-ce que vous prenez ce temps-là pour vous quand vous allez bien et quand vous allez pas bien? À situer votre constance par rapport à entretenir votre jardin intérieur, entretenir cette connexion-là à votre monde intérieur? Est-ce que des fois, c'est plus dur de vous accepter? Dans quel contexte? Écrivez-moi ça en commentaire, puis jasons ensemble. Ou venez m'écrire via les réseaux sociaux. Peut-être que vous me suivez sur Instagram, vous pouvez venir m'écrire là aussi. Ça va me faire plaisir. On dirait, je ne sais pas pourquoi, mais je suis comme un petit peu plus gênée ces temps-ci de venir parler sur les réseaux, même quand je fais des stories. On dirait que j'ai moins envie de me montrer souvent. Je me sens un petit peu plus dans ma grotte. Puis là, après ça, je sens que c'est comme une impulsion que j'ai envie de vous partager pour partager une clé d'évolution, j'imagine, puis que tout le monde en bénéficie. Mais je sais pas si c'est parce que je suis de plus en plus vulnérable ou si j'enlève de plus en plus de couches ou si mon but, c'est de me présenter de plus en plus honnêtement à vous. Mais on dirait que j'ai plus de gêne ces temps-ci. C'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de finir la vidéo, puis je sais pas trop comment. Je pourrais peut-être le finir en vous emmenant voir la vue. Fait que je vais vous emmener avec moi. Donc, vous êtes la bienvenue si vous voulez venir avec nous. Habiter dans cet espace vraiment grandiose. On a 2-3 places où vous allez pouvoir loger. Que vous soyez 1, 2, 3 ou 4 personnes, ou même jusqu'à 6 personnes, vous pouvez nous écrire. Puis on est en train de finaliser la page web pour vous présenter tout ça, puis vous puissiez réserver votre place. Vous pouvez réserver votre place via, justement, venez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Et puis on va ouvrir les inscriptions si vous voulez venir habiter à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, tout le temps. Fait que... c'est ça. Il y a plein de choses à dire. plein de choses. Donc, ben, j'espère que je vais pouvoir venir vous parler plus souvent. Je ne sais pas, je vais vraiment suivre le flow en ce moment pour ce qui est des apparitions YouTube parce que je me concentre beaucoup sur la plateforme et sur finaliser toutes les réparations puis mettre en place tout cette bel endroit physique dans lequel on veut vous faire vivre des expériences extraordinaires justement pour vous permettre de venir connecter à votre monde intérieur et à toute cette
beauté, cette nature qui nous entoure. Donc, à bientôt.